What is the meaning of this exposition, Hope and Optimism, for you? In present times, where lots of things are happening in the world, hope and optimism is a very powerful message which was given by icon Nelson Mandela to create peace and understanding for different people, different persons all over the world. And we want to contribute in helping people to be creative, to be inspired by this artist from all over the world, 25 different countries, to inspire young people and to create a future. What is the meaning of the life of Mr. Nelson Mandela? It's a life of hope. He has given us hope, he has taught us hope, he has taught us patience and tolerance. Our country is referred to as the Rainbow Nation. That means we are all together. We are all in one. We are all united. At home, we call him Tata Mandela because he was the father of the nation. We all looked up to him, all his teaching. Till today, we still celebrate his life. We celebrate his legacy that he left with us. That all the time, in whatever you do, you must always have hope that things will always be better. Things will always work out better. Que cela signifie pour vous, monsieur, que cette exposition se déroule ici, à Liège, ici, dans ce musée fantastique? C'est pour nous, évidemment, un très grand honneur à Liège que cette exposition fasse escale chez nous, dans ce beau musée, pour deux raisons. Parce qu'elle est organisée autour de ce personnage emblématique qu'est Nelson Mandela, et que cela nous ramène à tout son combat pour les droits de l'homme, pour l'égalité, et puis aussi parce qu'elle se fait autour d'un Liégeois cher à nos cœurs et célèbre, qui est Dacos, le graveur Dacos. Donc pour ces deux raisons, c'est à la fois, je l'ai dit, un honneur, un plaisir, et aussi un moment chargé de beaucoup d'émotions. Voilà, donc j'explique ici pourquoi mon choix a été porté sur cette œuvre. Voilà, comme on voit, puisqu'on parle de hope optimisme, donc c'est l'optimisme qui doit l'emporter. Quand je vois ici, je pense que c'était pendant la période des guerres, et on voit l'espoir de ces gens et de pouvoir partir. Comme on voit ici, ceux qui sont dans les bateaux, ils ont la chance. Mais aujourd'hui, c'est juste l'inverse. Avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Ce sont les gens qui prennent des bateaux pour venir ici vers l'Europe dans l'espoir d'être sauvés. Je veux conclure avec les mots de Madiba. There is a hero in every child. There is a health in every kid. Il y a un héros pour chaque enfant. Merci beaucoup. Bye-bye.